J'ai suivi une autre formation qui fait un peu de bruit sur Facebook, parce que vous savez, aujourd'hui, nous, les Congolais, Facebook est comme un long réseau à bah, news. Donc, si vous ratez bah, news, on a blog comme Soussou, tu rentres sur Facebook, tu verras qu'il y aura toujours un ami qui va poster quelque chose d'intéressant, et qu'on l'a dit, quoi. Dans lundi, histoire à Némonassemi. Si je déclare ici, disant que Némonassemi, c'est un fou, bah, nous sommes à Kenazali, trop dur dans la parole d'Angaï, ou Nazali n'a manque à respect envers l'ancien député, chef spirituel. Kakongo, c'est une étoile qui se trouve dans le cosmos. Non, je pense qu'en tant que citoyen congolais, en tant que Moutou normal, je peux avoir un jugement et je vais vous laisser aussi faire votre jugement avec moi. Na comportement, il y a mon ami. Moi, je considère que ce monsieur Azan a un problème, il y a Moutou sérieux. Mais vous allez qu'on néglige. Bonjour, Pessaé, plateforme à l'Obaka, les journalistes peuvent faire une interview, Pessaé, les micros. Et puis, plus grave encore, Azan Abato, il y a un cadre. Vous savez, la folie, Azan Abato, aspect est belé. Pour que vous ayez déclaré l'Iboma en apoto, et c'est un galop qui a mouké kaka. Que ça, l'angoisse, habituellement, on te déclare comme étant aux en dimanche. Donc, étape entre folie, dans le temps normal. Némonasemi, Asaleki, étape à Katikatuana. Il est de l'autre côté, je vous jure. Némonasemi, c'est un fou. Pourquoi j'ai dit qu'il est fou? Nabosani, bah, Biloka Bimsi Mikolo, disant qu'Azali président, autoproclamé et tout ça. Ça ne m'intéresse pas, parce qu'Azali va Bilokoyo, en tant que fou, il faut le bango, quoi. Est-ce que vous avez vu que Némonasemi, Asa présenta, moi, Chinaé, moi, si à Mamiwata? Ah, vous comprenez bien, madame. Némonasemi a déjà déclaré devant la presse que. Moi, si vous êtes à Zanaé, assis à Mona, moi, je suis à Mami Wata. Dans la forme à Nyoka. Et que la femme avait peur. Vous voulez pas croire, hein? Écoutez ça. La force publique. Mami Wata. Sous forme d'un serpent géant. À Bangaki. Est-ce que Boebi Kené Mwanasemi a déclaré que Mami Watana peut se transformer en Nyoka? Ce que Bangite a pu se transformer en moi, Simo Akitoko. Ce qui est au Banga Kabanyoka a pu se transformer en Nyoka, comme mon néné. Ce qui est au Bangite. À se transformer en vrai momie à qui toko. Némonasemi a déclaré que même ceux qui osent fatiguer, au coup bien mamie Watawana, a embrassé eux. Mamie Watako satisfaire Babéjonao. Alobi, Moutounaï, Oana, ceux qui m'attendent, même ceux qui ont parlé mal et qui sont fatigués, soit ils ont idée de m'embrasser moi aussi, Mami Watana, à quoi est-ce que donc, vous demandez à moi, ce qui n'a qu'à ici, à satisfaire, vous demandez à moi, on a parlé mal de débat, et ça qui m'a cassé, je suis vraiment fatigué, j'aimerais embrasser une belle femme à consoler, Ngaï, Mami Watana, qui t'a embrassé, vous demandez à ça, ce sont des idées d'un homme intelligent. Écoutez un peu ce qu'il pense de Bakongo. Vous voyez, de Bakongo. Bon travailleur, bon gestionnaire, mais peureux et hypocrite. Ce qu'il pense de Balouba. De Balouba, très intelligent, mais menteur. Ce qu'il pense de Mongo. Les Mongo. Oh, les Mongo. Des prostituées. Et ce qu'il pense de Bangala. De Bangala, Yiba Kasi Yiba Moke. Les Batetela, courageux, mais des cannibales.
Vous continuez à croire que ce monsieur a une tête qui fonctionne? Vous ne trouvez pas que Moutou, bah, paramètre, Moutou est allé déranger? Ça fait que Némonassé me déclare qu'il y a eu une réunion dans une ville de la Cosmos, comme on a Anzavelele, la ville de la pureté. La semaine passée, le vendredi, il s'est tenu, vous m'entendez, une réunion dans le monde spirituel à une ville appelée Mbanzavelela, la ville de la pureté. Mais bah, tout le temps, il y a une ville de la pureté, ou comme Mobutu Nakati. Mobutu, c'est quoi, était là-bas. Neto était là-bas. Samora Machel était là, Kassabou était là. Et Bobina Nazaki, modérateur, dans la réunion, non? Et le modérateur de cette réunion, c'est Mandela. Et Bobi qui est réunion là-bas, qui est chef spirituel et Afrique, Mobimba. Ce qui est Afrique centrale. Mais n'oubliez pas que dans le monde spirituel, on m'a sacré depuis le début de cette année chef saint de l'Afrique centrale. Némonassé me déclare que sa femme est allée dans un monde spirituel. Babisi Moïsnaï, ton mari, il faut faire attention avec. Parce que Ndjotonaï est allé utiliser par trois personnes. Némonassemi, parce que Némonassemi, il dit que lui, c'est un ancêtre. Un ancêtre à Kala, à côté de Ndjotonaï, il y a un. Mais ce corps-là est aussi utilisé par Kimbangu et par Jésus. Vous continuez à croire que ce monsieur est normal. Un jour, ma femme ici, qui est une voyante, on l'a pris dans le monde spirituel. Un ange lui a dit, faites attention avec ton mari. Parce que son corps est utilisé par trois personnes. La première personne, c'est le grand esprit Mwandansé, qui a atteint le degré de Walesa. C'est 999. Quand ce grand esprit sort, Kimbangu entre, c'est un autre Walesa. Et quand ce grand esprit de Kimbangu sort, Jésus-Christ entre. Némonassé me dit que Pape Atindi Cardinal, ceux qui prêtent na Brazzaville, pour s'assurer de sortir dans le militaire, pour le pouvoir dans le Congo, pour être dans le Koufaki, pour empêcher une menace de pouvoir. Mais lui, il a demandé à ce que chérubin bah, l'a placé au bord du fleuve. Bokai. Mais maintenant, ça joue que son travail pour me tuer. Le pape lui a envoyé un cardinal qui lui a dit que ton armée traverse. Prenez le pouvoir là-bas. Passez à Mosengo qui devient le président parce que nous ne voulons pas que Tshisekedi est mort. Qu'on passe le pouvoir à Némonassemi. Mais Sassou Nguesso va faire comment? Tous les dieux du ciel me connaissent. Moi, j'ai un rang dans le ciel. J'ai immédiatement, vous m'entendez? J'ai immédiatement demandé à l'armée céleste de faire descendre des chérubins à partir de Kinshuka le long du fleuve jusqu'en Mbandaka. Et j'ai dit, je veux voir l'armée de Sassou Nguesso où ça va passer. Ça ne va pas passer. Yamukolo, allez, vous continuez à croire que ce monsieur est normal. Il dit que le 4 janvier 1959, il y a eu trois chérubins à Congo, à Kinshasa. Bah, c'est là qu'ils sont pas gars et ceux qui sont dans les Kinshasa Mobimba. Bah, en fait. Vous savez, le 4 janvier 1959, les grands êtres de Mouira qu'on m'avait envoyé trois chérubins. Très courtes comme ça. Ils ont neutralisé tout le monde à Kinshasa. Némonassé, en tout cas, pour finir avec cette histoire de la folie à Némonassé, il dit que les Américains, banana, Minduki, armes nucléaires. Mais, ingénieur, il y a planète Kakongo. Il y a des gens qui font exploser la bombe. Mais, il y a des gens qui sont aux États-Unis. Il ne veut pas que les gens soient victimes. Il ne peut pas permettre que les gens soient victimes.
Némona Semi dit que bah ingénieur y a planète Kakongo place bah noir bah outa bah ABC que on peut faire de sorte que tout autour y a bananayo to créer bah trou noir pour les gens qui aiment l'astronomie bah trou noir y a bleu bah dans l'espace dans le vide quoi je sais pas bon anyway Némona Semi alors qui bah ingénieur on a bah ABC que bah on crée bah trou noir autour y a bananayo c'est bah bon mon exposé bah né bah vous allez bah rescaper. Les ingénieurs de Kakongo sont venus me dire ceci. Dans la première réunion, tu t'es plaint que tu as deux enfants en France, quatre aux États-Unis. Si on fait exploser leur bombe, tu auras six morts. Mais quand nous sommes rentrés à Kakongo, les ingénieurs ont dit qu'ils peuvent créer un trou noir autour de chacun de tes enfants. Les bombes vont exploser, ça ne va pas les toucher. Ainsi, tes enfants seront des miraculés. Kakongo. Né Mwanase Malobi, il ne veut pas que Bablo Kwana explose parce que la planète Terre va quitter son orbite. Il ne veut pas être responsable et Makambwana. J'ai répondu à ces ingénieurs, ne faites pas exploser les bombes atomiques de l'Occident pour le moment parce que la planète Terre risque de changer d'orbite. Ce sont des responsabilités, ça. Quand la planète Terre change d'orbite, tout le système solaire est bouleversé. Je ne veux pas être responsable d'une pareille catastrophe. Bande konanga ba congolais. Nazo finga papa batuté. Nazo au qualifier qui a sali l'ibloma. C'est un homme malade. Il n'est pas assisté. On lui donne le temps de faire des conférences, de dire des choses. Je ne pense même pas qu'il doit être inquiété ou arrêté. C'est un fou. Bye bye. Je n'aime pas souvent dire des choses dont les gens n'ont pas les moyens.